j'espère que vous allez bien. Je suis trop trop contente parce que je vous retrouve pour ce vlog, pour un week-end au Massachusetts. Je suis pour 3 jours chez une amie qui habite près de Boston et aujourd'hui on a prévu plein de trucs sympas. Ce soir on va aller à Salem, demain on va faire des activités autour des citrouilles, genre pumpkin carving, visite d'un petit parcours de citrouilles décoré, tout ça. Donc ça va être trop trop cool, parfait pour l'ambiance automnale Halloween. Et bien sûr je vais vous amener avec nous niveau lecture, parce que vous me connaissez, je ne pars nulle part sans au moins un livre. Quand on part que 3 jours, j'ai été raisonnable, j'ai pris 2 livres. J'ai pris déjà The Final Gambit parce que j'en pouvais plus, il fallait que je sache la fin de cette trilogie et de tout ce qui se passe dans la famille Hawthorne. Il faut que je sache. Donc je l'ai commencé dans la voiture, j'ai lu une 60aine de pages, mais il se lit quand même vraiment vite, donc j'ai espoir quand même d'arriver à le finir celui-là ce week-end. Et j'ai aussi pris le deuxième tome de L'Empire d'écume. Je me suis dit comme ça, j'ai une lecture en anglais, une en français. Selon mon état de concentration, mon mood, je pourrais changer. Ça c'est de la fantasy, ça c'est du contemporain, donc on est vraiment dans deux genres hyper différents. Donc voilà, je voulais juste vous faire une petite intro rapide avec la magnifique décoration de cheminée qu'elle a faite derrière. Regardez ça, c'est trop beau. Et puis on va commencer la journée.
Je vous retrouve brièvement pour conclure mon petit vlog 100% automnal. Franchement, c'était trop bien ce week-end dans le Massachusetts. On a fait tellement de trucs idéaux, on va dire, un petit peu de l'automne, l'image d'Épinal de l'automne, entre aller à Salem, creuser les citrouilles, les balades. On a vraiment fait beaucoup de trucs et c'était trop sympa. Bien sûr, j'ai ramené quelques livres et d'autres petites choses automnales aussi que je voulais vous montrer. Bon, on va commencer par les livres. Je me suis pris deux cafés Between Pumpkin and Pie. Je l'ai vu passer sur certaines chaînes YouTube anglophones. Et ce titre-là, plus l'image de la couverture, j'ai craqué. En plus, il me semble que c'est une espèce d'histoire avec des sorcières dans une petite ville, ou en tout cas, il y a de la magie dans une ambiance de petite ville des États-Unis. Donc j'adore cette vibe-là. Et ça se passe durant Halloween. Que demander de plus ? À part d'avoir le temps de le lire cette année, bien sûr. Et l'autre que j'ai pris, c'est un classique, Frankenstein. Je me suis pris l'édition de Barnes & Noble parce que je trouve qu'ils font vraiment des super belles éditions des classiques. Et lui aussi, j'espère pouvoir le lire cette année parce que j'en ai quand même entendu beaucoup de bien pour un vieux classique, on va dire. Il y a encore énormément de gens qui l'aiment et tout. Puis son air des sols écrit par une femme aussi. Donc pareil, je vais voir si j'arrive à le lire cette année. Mais je suis contente d'avoir pu l'ajouter à ma collection. Et au pire, il sera là pour le Pumpkin Autumn Challenge de l'année prochaine. On a aussi fait quelques achats alimentaires, notamment ce thé Pumpkin Spice. Qui me donne vraiment l'impression de boire un Pumpkin Spice latte, mais ça goûte encore plus la citrouille, donc c'est vraiment chouette. Et j'ai pris du Pumpkin Butter, qu'on peut mettre sur les tartines et tout ça, mais ça j'ai pas encore goûté. Donc on verra si c'est bon ou pas. J'ai aussi craqué pour ces petites boucles d'oreilles. Je vais vous en montrer une de plus près. Vous puissiez voir. Elles sont juste magnifiques avec le petit chat et les champignons. Je les aime trop. Et j'ai trouvé une robe. Voilà, avec des renards. Franchement, j'ai pas pu résister quoi. Il n'y a pas plus automnal que ça. Et je vais finir avec une petite update lecture. J'ai lu tout The Final Gambit et j'ai adoré. Une série, une trilogie que je peux dire avoir fini cette année, ça aussi c'est plutôt cool. C'était super bien, il y avait encore de nouvelles intrigues, de nouveaux mystères, de nouvelles énigmes à résoudre. Encore plus de tensions et d'enjeux que dans les premiers tomes. Donc top, j'ai beaucoup aimé la fin et comment elle était amenée aussi. Si vous connaissez pas cette trilogie, The Inheritance Game, c'est une jeune fille, Avery, qui a vécu toujours plus ou moins dans la pauvreté avec sa mère et sa demi-sœur. Et sa mère décède à un moment, et donc elle est juste avec sa demi-sœur, et franchement, elles ont pas une vie top. Puis à un moment, sorti nulle part, il y a un milliardaire, mais genre un des hommes les plus riches de la Terre, qui en fait son héritière suite à son décès. Donc elle se retrouve transportée dans un monde qui n'est pas du tout le sien, avec une famille où il y a 4 fils, 2 tantes, je pense que c'est à peu près ça, qui sont comme, d'où elle sort cette fille, comment ça se fait qu'elle récupère tout notre argent et que nous on n'est plus rien, et qui sont pas super accueillants pour elle, et elle va se retrouver à essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'elle a été choisie comme héritière, avec l'aide des fils de la maison, qui ont chacun une personnalité plutôt particulière et qui sont vraiment intéressants comme personnages aussi. Donc on suit un petit peu ces énigmes qu'elle va découvrir sur le milliardaire dont elle a hérité, et essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il l'a choisi elle, et ça va entraîner assez pour faire 3 livres autour de ça. Donc c'est sûr que c'est un petit peu invraisemblable quand on regarde au global, mais chaque livre est vraiment hyper distrayant, bien écrit, les chapitres sont hyper courts, donc ça se dévore vraiment. Et j'ai à peine commencé le deuxième tome de l'Empire d'écume, j'ai lu juste un chapitre, mais ça a été suffisant pour me replonger dans l'univers et me donner très envie de continuer la lecture, même s'il est énorme. Donc je vais d'abord finir Vespertine que j'avais en cours, et puis je vais me plonger dans celui-là. Voilà pour ce petit vlog, je pense qu'il est un peu plus court que ceux que je fais habituellement, mais j'avais vraiment envie de le concentrer à 100% sur la vibe automnale, donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me dire aussi vous qu'est-ce que c'est les activités que vous aimez faire en automne et pour profiter de la saison. Et puis on se retrouve très bientôt dans une autre vidéo.